Cette étudiante en deuxième année de Sciences Po a appris la mauvaise nouvelle il y a quelques semaines. Un supplément de Minerval de 1923 euros. D'origine turque, elle fait partie de ceux qui doivent payer des droits d'inscription majorés. Une mesure imposée aux étudiants extra-européens qui s'inscrivent en première année ou qui ont été ajournés. Une décision qu'elle a bien du mal à comprendre, elle qui n'a raté qu'un seul cours de sa première année. C'est pas normal, ça fait 5 mois que l'année scolaire a commencé. Nous, on nous a dit, vous payez les 835 et c'est bon, on a reçu notre carte étudiante, on a passé les examens. C'est juste injuste de nous imposer ça maintenant et de nous menacer de nous retirer notre statut d'étudiant, d'avoir une année d'échec. Pour protester, une poignée d'étudiants ont bloqué ce matin le service des inscriptions. Ils réclament l'annulation de la mesure. C'est extrêmement difficile pour une personne qui vient d'un pays du Sud ou quoi que ce soit de trouver autant d'argent en si peu de temps. Et donc la situation sociale est grave pour certains, ils ont dû s'endetter. L'erreur administrative en début d'année, l'ULB la reconnaît. Il n'empêche, ces frais majorés doivent être payés, c'est une obligation légale. On a juste rencontré tous les étudiants qui étaient dans des difficultés pour essayer de les aider à trouver des modalités de paiement, mais ils doivent effectivement s'acquitter. Et s'ils ne le font pas, ils seront en difficulté l'année prochaine puisqu'ils seront en dette par rapport à une université et donc ne pourront pas s'inscrire dans une autre université ou institution de la communauté française. Ceux qui le souhaitaient ont obtenu un délai supplémentaire d'1 mois pour pouvoir payer la facture.